La fibre de verre est installée. Les deux couches ont été faites. Donc la couche, je vous rappelle, de ma fibre plus épaisse, plus lourde un peu. Je vous la montre, on voit très bien que c'est que la trame est plus grosse. Et on voit ici que celui-là, il est très très mince. Hein, c'est une demi pour la finition. Alors ici, sur la partie avant de la tuyère, c'est devenu très rigide. C'est vrai que c'est plus lourd, c'est beaucoup plus lourd. Donc le fait que j'ai laminé deux couches de fibres, la fibre plus lourde et la fibre plus légère pour la finition, ça ajoute une énorme rigidité. Mais je vous donne juste un exemple. Ma pièce pesait 40 grammes avant la fibre. Et à ce moment-ci, elle est à 80 grammes. Donc j'ai doublé le poids de toute ma pièce juste en mettant la fibre de verre sur cette portion-là. Alors j'ai peut-être été 3 onces pour ce qui fonctionne avec les mesures impériales. Alors une des choses que j'ai remarquées en travaillant avec ce produit-là, avec le Zipoxy, c'est que le premier 20 minutes est vraiment très bien. Ça fonctionne très bien, c'est très liquide. Et après 20 minutes, il y a un changement assez radical qui se produit. Évidemment, le produit commence à se transformer, à polymériser. Puis c'est comme instantané. Là. On utilise le pinceau, on l'applique, et puis là, tout d'un coup, ça devient un peu plus laborieux parce qu'il perd un peu de sa viscosité. Il perd un peu de son. Il devient moins liquide. Pour contrer ça, vous pouvez toujours, c'est une des choses que vous pouvez faire, c'est d'utiliser un peu d'alcool que vous mélangez avec votre résine. Et l'alcool, idéalement, on n'en met pas parce que ça peut modifier la réaction chimique. Par contre, dans ce cas-ci, c'est peut-être quelque chose qui vaut la peine d'essayer. D'abord, ce ne sont pas des pièces critiques, là, c'est des fausses nacelles. Ce qui est bien plus critique dans ce cas-ci, c'est d'avoir une belle finition. Alors, je vais l'essayer. Là, je vais appliquer ma fibre sur le haut de la tuyère et ensuite sur le centre. C'est les grandes pièces que j'ai coupées. Et je vais faire tout ce que je peux sans diluer. Donc, je vais appliquer une couche tout le tour, à l'intérieur aussi. Je vais mettre mes pièces de fibre en première couche. Et quand ça va être appliqué, probablement que ça va me prendre à peu près ça 20 minutes. Et là, je viendrai diluer juste un peu, juste pour dire, disons, sur, je ne sais pas, à peu près sur 20 ml de, sur 20 ml, disons, de résine, peut-être 2-3 ml, là, peut-être un 10 pour 1 maximum, pour diluer un peu. Et ce qui va arriver, c'est qu'une fois appliqué, l'alcool va s'évaporer, et la résine va pouvoir terminer sa réaction chimique.
J'aimerais prendre quelques minutes pour vous présenter, pour vous montrer un peu comment je fais pour faire mon assemblage, parce que, comme vous pouvez vous en douter, là, pour une pièce comme ça qui est toute recouverte de fibres de verre, puis qui est loin d'être parfaite en partant, là, c'est pas comme un fuselage ou une aile. Il y a beaucoup de assemblage à faire pour en arriver à un résultat potable. Et là, moi, je ne vais pas passer la journée complète à sabler. Alors, je me suis fait un petit outil pour sabler mes cylindres et je vous en parle rapidement. J'ai utilisé un gobelet, un verre de plastique, gracieuseté IKEA, dans lequel j'ai percé un petit trou dans le fond. Juste un tout petit trou de rien. J'ai utilisé une tige de métal. Au bout de la tige, j'ai installé un collet pour les roues. Comme ça, bien serré. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que je prends mon gobelet, ma tige. Je passe la tige par le fond du gobelet, comme ça. Et voilà. J'ai la première partie de mon outil. Maintenant, pour continuer. Alors, vous voyez, il y a un côté égal et un côté inégal. Alors, on installe notre outil du côté qui est coupé droit, perpendiculaire à la ligne du centre. Et de l'autre côté, quand j'ai taillé ces pièces-là, j'avais un morceau, le morceau complémentaire, si on veut. Alors, je l'avais gardé. On voit qu'il est plus épais en haut qu'en bas. Et puis, je viens le placer au bout comme ça. Et maintenant, je prends tout ça. Et j'ai une perceuse électrique ici. J'installe tout ça à ma perceuse et j'enfonce ça bien comme il faut, comme ça. Ça se peut que j'ai besoin de l'ajuster par la suite. Et là, ben, vous devez vous imaginer que ça tourne. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je prends ma balayeuse pour aspirer la poussière à mesure, au fur et à mesure. Je m'installe au bord de ma table comme ça. Je fais juste un petit ajustement. Ça semble tourner assez rondement. Ouais. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je prends mon papier sablé, je prends ma balayeuse et je viens poncer comme ça. Idéalement, je vais poncer toute la largeur d'un coup avec ma barre comme ça. Et puis si je vois qu'il y a des creux où ça ne veut pas poncer, alors ce que je ferai à ce moment-là, je viendrai passer un coup comme ça, mais j'aimerais mieux passer toute la largeur pour être sûr d'avoir une surface égale. Alors, vous voyez maintenant, vous connaissez maintenant la façon que j'ai utilisée pour sabler avec mon super outil conique, comme ça. Je prends une de mes deux pièces, celle-là, pour vous montrer un peu le résultat. C'est pas parfait, hein? C'est pas encore rendu à cette étape-là où je vais le considérer comme fini. Par contre, là, ce que je veux vous montrer, c'est que sur cette pièce-là, il y a des endroits où on voit très bien que ça a été sablé, et d'autres où il y a comme des endroits qui sont encore qui n'ont pas été touchés. Et la raison, c'est que c'est des creux. Alors, il y a des bosses et des creux. Évidemment, quand on sable, on enlève les bosses, mais on n'enlève pas nécessairement les creux. On aplanit les bosses, mais on n'enlève pas les creux. Il y en a qui sont tout simplement trop profonds pour être enlevés de toute façon. Alors, dans ces creux-là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un mastic, là, un bondo. Alors, je vais venir faire un peu de remplissage. Très, très mince couche. Et quand il va être pris, je vais repasser un coup de sablé. Alors, après le premier sablage de mon fibre de verre, j'ai fait une première couche de mastic, je l'ai sablé, maintenant je sable la deuxième couche. Et suite à la deuxième couche,
On verra si je peux passer à la couche d'après. Alors voici la tuyère une fois qu'elle est sablée, une fois que le mastic est sablé. On voit qu'il reste du mastic à certains endroits, mais qu'en général c'est assez bien égal, que c'est bien, bien égalisé. Comme vous voyez. Et là, la prochaine étape, je pourrais probablement encore ajouter du mastic pour faire ressortir des détails. Mais la prochaine étape va me faciliter la vie à ce sujet-là. Maintenant, je vais mettre l'après sur cette pièce-là, la peinture d'après. Et une fois que l'après va être séché, je vais faire une inspection et je vais utiliser un crayon de bois, un crayon à mine, comme ça, pour marquer les endroits qui auront besoin d'être retouchés avec le mastic de retouche. Alors pour faire ma peinture, ce que j'ai fait, c'est que j'ai accroché à mon plafond une broche comme ceci. Et au bout de la broche, j'ai attaché une petite pince et un bâton. Et le bâton va tenir la tuyère pendant que je vais faire la peinture. Vous remarquez, je n'ai pas encore de chambre à peinture, mais peut-être qu'un jour, ce sera dans mes projets. Une des mesures pour évacuer le fiume, évacuer les vapeurs, c'est l'installation d'un ventilateur comme ça. Et l'autre objet indispensable quand on fait de la peinture à l'intérieur, c'est un respirateur comme ceci, avec des cartouches au charbon activé pour absorber les solvants qui se dégagent de la peinture. J'utilise en ce moment un après comme celui-ci. C'est un après mastic, donc un filler primer, et il est gris comme vous voyez, et puis c'est un après qui donne qui a une certaine épaisseur, qui donne une certaine épaisseur à ma pièce. Ça aide aussi à boucher certains trous qui pouvaient rester. Alors, ma première couche d'après est posée. Et maintenant, j'inspecte ma surface pour trouver les endroits où il pourrait y avoir des petits trous ou des fentes ou des zones qui sont pas qui sont pas bien égales. Je vois ici comme une série de trous un à côté de l'autre. Ouais, je crois qu'on peut les voir. Alors, ce que vous voyez à l'écran, là, c'est des très légères marques où il n'y a pas assez, où il n'y a pas nécessairement assez de ni de primer, ni de couche d'après, ou ni de mastic. Alors, ça, c'est des endroits que je devrais corriger.